Charles Leclerc espère que 2023 sera celle de Ferrari, Alfa Romeo veut éradiquer sa faiblesse, une production trop lente en usine, et Zak Brown estime que Lando Norris est très sous-estimé, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeune fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 partie 1 des actualités F1 de ce 23 janvier. N'oublie pas le like, l'abonnement et la cloche des notifications, objectif 10 000 abonnés avant le 5 mars à Bahreïn et une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Si tu es prêt, accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Après avoir vécu une saison 2022 en demi-teinte, Charles Leclerc espère que 2023 sera enfin l'année de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Vice-champion du monde en titre, Charles Leclerc parfait actuellement sa condition physique dans les Dolomites italiennes, à 3 semaines de la présentation de la nouvelle Ferrari. Le Monégasque a également mis à profit cet hiver pour tirer les leçons de sa campagne 2022, après avoir échoué dans la course au titre face au redoutable Max Verstappen. Je pense que je gagne en maturité saison après saison, vous apprenez constamment de nouvelles choses, après chaque erreur vous apprenez et vous grandissez, je suis donc un pilote plus mature que je ne l'étais l'an dernier, gagner est ce qui me motive. Nous y sommes pas parvenus en 2022 mais j'ai l'intention de le faire cette année, nous devons donc être aussi bien préparés que possible et l'entraînement en fait partie. Vous devez être en forme dans la voiture afin de livrer le meilleur de vous-même sur la piste. J'ai hâte de reprendre le volant. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter, ce qui est super. J'espère vraiment que 2023 sera notre année en Formule 1. La saison 2023 du championnat du monde de Formule 1 ouvrira ses portes le 5 mars à Bahreïn, tandis que Ferrari présentera sa nouvelle monoplace le jour de la Saint-Valentin, le mardi 14 février. J'en profite pour te poser la question du jour, crois-tu au titre de Charles Leclerc en 2023? J'attends vos réponses en commentaire à vos claviers. Alfa Romeo n'a pas produit les nouvelles pièces au même rythme que la concurrence en 2022 et a bien l'intention de redresser la barre cette saison. Le contraste est frappant. Après avoir engrangé 51 points lors des 9 premiers Grands Prix de la saison 2022, Alfa Romeo n'en a marqué que 4 lors des 13 suivants. La C42 était bien née et a profité d'être moins en surpoids que ses rivales pour s'illustrer en début d'année. Mais lorsqu'il a fallu développer la monoplace, la structure de Inwheel a été handicapée par ses capacités de production. C'est en tout cas ce que révèle Chevy Pujolard, directeur de l'ingénierie en piste. Aux alentours de la fermeture estivale, le rythme auquel les autres équipes développaient ou apportaient des évolutions en piste était un peu plus élevé que la nôtre. Je crois que nous développions au même rythme mais n'étions pas en mesure de produire au même rythme. Et c'est ce que nous avons vu, nos packages sont arrivés un peu plus tard. Notre objectif pour la saison prochaine est d'essayer d'accélérer le rythme de ce côté-là et d'être davantage au niveau de la concurrence. Car si nous avions pu avoir ces évolutions un peu plus tôt, nous en aurions bénéficié pendant davantage de courses et ça aurait été bien mieux pour notre bataille au championnat. Par rapport à son coéquipier, débutant Guanyuzu, Valtteri Bottas était clairement l'homme fort d'Alfa Romeo en 2022, inscrivant à lui tout seul 49 unités. L'écurie italo-suisse a dû composer au championnat des constructeurs avec la remontée d'Aston Martin, qui a marqué 30 points lors des 6 dernières courses, si bien que les deux équipes se sont retrouvées avec le même total au terme de la saison. Alfa Romeo a été classé devant à la faveur de son meilleur résultat, la 5e place de Bottas à Imola et le Finlandais confirme en tout cas le bilan établi par Chevy Pujolard. C'est un fait, l'une de nos faiblesses était la rapidité avec laquelle nous apportions des évolutions. C'était dû en grande partie à la production n'ayant pas suffisamment de ressources humaines pour produire les pièces. Actuellement, d'autres équipes telles que Mercedes ont assurément plus de personnel et plus de ressources pour produire les choses plus vite. Par ailleurs, tous les problèmes de fiabilité que nous avons eus, nous avons consacré beaucoup d'énergie à tenter de les résoudre au lieu d'essayer de développer la voiture. Cela nous a pas mal distrait en milieu d'année. Maintenant que nous avons mis la fiabilité à un bon niveau, disons, nous pouvons purement nous concentrer sur les performances. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications, vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Objectif 10 000 abonnés avant le 5 mars à Bahreïn et en plus de ça, une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Voyez cela comme votre calendrier de l'Avent, mais de 2 mois.
Je m'adresse également aux personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, je compte vraiment sur vous pour activer cette cloche. J'aimerais qu'on se rapproche plus des 30% des abonnés notifiés. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. Tous les espoirs de Zac Brown reposent sur son jeune duo de pilotes pour la saison à venir. L'homme d'affaires américain explique en effet que Lando Norris s'améliore de façon exponentielle et que Oscar Piastri devrait être un pilote de Formule 1 sensationnel. Zac Brown, PDG de McLaren, se réjouit du duo de pilotes que représentera l'équipe cette saison. Il sera composé de Lando Norris qui, selon lui, ne reçoit pas tout le crédit qu'il mérite et du jeune Oscar Piastri fraîchement recruté par l'équipe britannique. Après s'être séparé de Daniel Ricciardo fin 2022, McLaren a choisi de le remplacer par son compatriote australien Oscar Piastri, jeune champion du monde de Formule 2 en 2021 et ancien pilote de réserve pour Alpine. Le team principal, André Seidel, a également quitté l'équipe pour prendre le poste de directeur général chez Sauber. C'est donc Andrea Stella qui le remplacera chez McLaren et Lando Norris, quant à lui, entamera sa cinquième saison avec l'équipe de Woking. Dans une interview sur le site de McLaren, Zac Brown s'est félicité du travail accompli par Lando Norris la saison dernière. Le Britannique est en effet le seul pilote à ne pas faire partie des trois top teams qui a réussi à monter sur un podium en 2022. Zac Brown poursuit. Il s'améliore de plus en plus, il réalise des tours de qualification incroyables. Je ne pense pas qu'il reçoit tout le crédit qu'il mérite. Quand c'est le moment d'y aller, il est vraiment impressionnant. Vous savez, il y a les essais libres 3, puis bang, ça vient en qualification quand il doit le faire en Q3. Et on se demande, waouh, mais d'où ça vient? Et il fait ça souvent en plus. Il fait très peu d'erreurs, fait rarement de grosses erreurs. Donc lui, si je regarde quand il a commencé par rapport à maintenant, il a un très haut niveau de confiance, mais pas d'arrogance. Et il ne fait définitivement qu'un avec l'équipe et la voiture de course. Si on regarde depuis la saison 1 jusqu'à maintenant, son rythme de course est meilleur de façon exponentielle. Zac Brown a également expliqué qu'il comptait beaucoup sur le potentiel de ce duo de pilotes, le plus jeune de la grille, sachant qu'Oscar Piastri a été décoré du titre de champion du monde dès sa première saison à la fois en Formule 3 et aussi en Formule 2. Nous pensons qu'Oscar va être un pilote de course sensationnel. Si on regarde sa carrière à ce jour, il a remporté beaucoup de championnats au cours de sa première année, ce qui est la preuve que l'on est en présence d'un pilote spécial. Vous savez, il a une excellente approche mentale du sport et maintenant que nous sentons que Lando a beaucoup plus d'expérience, nous avons l'impression d'avoir un excellent mélange d'expérience et de jeunesse. Notre expérience, c'est aussi d'avoir des jeunes, donc je pense que nous sommes très enthousiasmés par le potentiel de notre équipe de pilotes, Lando et Oscar, dans un avenir prévisible. McLaren présentera sa nouvelle monoplace le 13 février et l'équipe britannique espère donc faire mieux en 2023 que la 5e place décrochée l'an dernier au classement constructeur derrière Alpine. Je te rappelle la question du jour, crois-tu au titre de Charles Leclerc en 2023 ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai à un maximum d'entre vous. Je te redirige vers la vidéo d'actu d'hier où on voit une possible galère pour Red Bull cette année. À tout de suite.